Oui, allô, vous m'entendez? J'ai relancé. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, la team? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, allô, vous m'entendez? Allô? Allô? J'ai disparu. Au fond de mon cul. Allô, re? Oui, re? Allô, qui m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle encore, on m'appelle maintenant. Voilà, des représailles de Domingo, bravo. Et ben, je pensais pas qu'on irait jusque-là dans ce genre de choses. Je pensais que voilà, il y avait quand même une certaine courtoisie, nous étions des gentilshommes, donc je pensais pas qu'on irait jusqu'à saboter un de mes. Jusqu'à saboter un de mes lives, voilà. Non, non, mais écoutez, écoutez. Si ça doit en aller jusque-là, voilà. Enfin, Mago XLR a planté pile à ce moment-là, pile comme quand je jouais à Planet Zoo, comme par hasard. Bravo, bravo, bravo. Bravo. On en est là, bravo. Écoutez, bah, je vais le dire, voilà. C'est moi qui me suis introduit chez Domingo, puisqu'on en est là. C'est moi qui me suis introduit chez lui. J'ai fracturé la porte à l'aide d'un pied de biche, je suis rentré discrètement chez lui, et j'ai mis un bon petit coup de taquet dans l'unité centrale, et puis voilà, j'ai tout, et j'ai essayé d'arracher quelques câbles. Bon, manifestement, ça n'a pas suffi, il a réussi à se reconnecter. Bref, ça ne devait pas être le cas, il devait réussir à se connecter. J'avais calculé mon coup d'ici 2-3 jours, et manifestement, monsieur a été plus rapide. Mais voilà, très bien, mais si c'est comme ça, ben on peut, voilà, si on peut le. Et voilà, et maintenant le jeu crash, et maintenant Planet Zoo crash, bah bravo, bravo. Bravo! Là, je suis en train d'essayer de lancer Planet Zoo et ça crache en boucle. Bravo! La surenchère permanente. Mais où va-t-on s'arrêter? Je vous le demande. Où peut-on s'arrêter? Écoutez, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Donc, j'ai même trouvé des chaussettes sales de Domingo que j'ai revendues sur le bon coin. Eh oui, j'ai pas hésité. Je me suis dit qu'au moins ça servirait. Eh oui, écoutez, rien n'est trop beau, rien n'est trop beau. Ah oui, mais bon, écoutez, je me suis fait un petit paquet d'argent. Je me suis fait plus d'argent qu'avec les scarabées, si vous voyez ce que je veux dire. Eh oui, des gens sont prêts à acheter ça. Cite tes sources. Ah, c'est bon. C'est bon, on est de retour. On est de retour. Non, en plus, j'allais pas tarder à arrêter et tout. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, messieurs, dames, c'est terrible. Je propose que tu prends une émission de talk show le mardi soir que tu appelleras Cacahuète. À chaque fois qu'il se passe un truc avec. Crois qu'il se passe un truc avec Domingo, on a cette idée-là. Le parc a mystérieusement disparu, comme par hasard. Tiens, 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 le parc, obligé de le refaire, comme par hasard. Comme par hasard, j'ai pas encore mes. Il faut que je remette mes. Attendez, ils sont où? Et j'ai pas mes lynx, comme par hasard. Qui aurait volé mes lynx à toi? Ils sont où mes lynx du coup? J'ai plus mes lynx. Oh non. Oh non. Bah écoutez, je vais utiliser avec des feuilles, hein. Non, mes lynx, ils étaient trop bien. Les deux étaient bien. Mon centre d'échange, c'est terrible. Ah, mais si, ils sont là! Pas le mien. Merde! Putain, ça a crashé, on a perdu le lynx quoi, on a perdu nos deux lynx, j'ai envie de. Envie de crever! Envie de moumou. Envie de moumou. On a perdu nos deux lynx. Abattu. Non mais de toute façon, on finira tout l'enclos et tout la prochaine fois. Parce qu'en vrai, ça prend du temps de faire un enclos, ça me prendra au moins 1 heure, je pense. Il est déjà 14h43, ça fait 5 heures, plus de 5 heures qu'on est en live. Mais dans l'idée. Putain, là, j'ai même plus envie, bah, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu le. Sabotage.
Bref. Alors, modifier la clôture. Attendez, on modifie la clôture ici. Il faut modifier dans cette partie-là, notamment. Parce que c'est la partie, on va dire, la plus... Voilà. Hop. Voilà. Il faut juste lisser un peu ici. Hop. Est-ce qu'on peut le lisser ou pas? C'est un peu trop. Hop là. Du coup, maintenant, il faut des arbres et tout. Nature. Hop. Biome, continent, on va mettre Europe, voilà. Arbre, hop. Les arbres ici. Oh, c'est peut-être, elle est un peu, peut-être un peu grande cette petite colline là, je pense. Je pense qu'on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre, les copains. Je vais la baisser un peu. Je vais la raboter. Voilà, je pense que comme ça sera mieux. Elle est comment, elle, là? C'est juste un manque d'optimisation, quoi. Il faut plus de l'herbe courte, on s'était dit, c'est vrai. Le live a sauté. Ouais, il a sauté. Le live a tesso. C'est la vie. C'est la vie, c'est pas grave. C'est la vie, elle est faite comme ça, d'injustice, de moments, un petit peu, t'es un petit peu deg, mais bon, c'est comme ça. De la terre. Hop là, nickel. Je pense qu'il est encore un peu trop vénère le truc ici là. Voilà, je lisse un peu. Nickel. Hop, et là on va juste changer, on va mettre de la terre légère. Voilà. Nickel, maintenant on peut mettre des arbres. Des petits buissons. Hop, des petits buissons là, des petits buissons. Hop, qu'on va faire aligner sur la surface. Hop là, voilà. Hop là. Petit alignement de surface là. Hop, avec des arbres maintenant. Est-ce qu'on a des arbres quelque part? On a des arbres forcément. Oh, attendez, j'ai un petit bug sur le prime. Sur l'animation. Ça m'arrive tout le temps, ça. Merci beaucoup, Skouratov. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est pas ça. Ok, c'était ça. C'est rien de bien grave à chaque fois, mais il faut que je le corrige. Hop là. Oh, j'avais des souches d'arbres. Oh là là, trop bien ça. Ça, j'en avais pas tout à l'heure. Ça, j'en avais pas tout à l'heure, des souches d'arbres. Ah, j'avais pas vu. Putain, c'est trop beau. Ça fait vraiment la div, les souches d'arbres. En rapidement, comme ça, tu peux facilement avoir un rendu cool. Tam, tam, talam. Tam, 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 talam. Hop, tac. Hop, des pierres. On va mettre des grosses des pierres ici. Ouais, il y a plein de trucs encore, il y a plein de trucs à faire. Hop, un petit arbre à mettre ici aussi derrière. Faut que je lui fasse un petit endroit derrière pour qu'elle puisse se protéger. C'est pour quel animal? C'est pour le lynx, c'est pour mon lynx qui est juste là. Mon lynx qui est juste là. Est-ce que j'ai des pierres plus grosses Parfait, c'est ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Elles sont trop bien ces pierres mi-vertes, mi-vraie couleur pierre.
Parce que du coup, elle donne l'impression vraiment que ça se fond vraiment bien dans la dans le reste, quoi. C'est trop, trop bien. Genre vraiment, le niveau des textures et tout, du travail de... Non, c'est trop stylé. Voilà. Des plus petites pierres, quand même. Much. Bon, un prénom au lynx, on va lui trouver, on va lui trouver. Parce que des fois... Hop. Attendez, aliment avec la surface. Hop. Ah, c'est pas mal comme ça. Ça commence à se tenir, ça commence à se tenir. Hop là, faut mettre un peu de plantes autour histoire de rendre ça un peu organique. Ok. Voilà. On rend ça un peu organique, quoi. Tac, tac. Hop là. Quand même un sacré sens de l'écrit barboricole. Ouais, bah après j'essaye, mais c'est pas simple de faire un truc très de faire un truc le plus plus équilibré possible, quoi. C'est pas simple, j'avoue. C'est le plus dur en vrai, hein. La végétation, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, je trouve, et que ce soit crédible. Hop, tac. Hop. Est-ce qu'on mettrait pas un petit truc je crois que j'en ai trop mis de plantes rouges là, comme ça, avec des petites pointes. Ok, hop. Je gère par-dessus un peu plus intense. Hop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, elle vole, elle vole. Un petit point peut-être. Un petit point d'eau peut-être. Ouais, on va faire un petit point d'eau, ouais, tout à fait. Petit point d'eau bientôt, ne vous en faites pas. Hop là. Ta-la-tam, ta-la-tam. Et là, peut-être sur le terrain, on va peut-être mettre un peu plus de roche, histoire de pas trop trancher. Ne serait-ce que juste là, voilà. Hop. Et un tout petit peu de vert. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'était trop, c'était trop, c'était trop. Ça reste dans les mêmes teintes un peu verdâtres, quoi. Ta-la-tam, ta-la-tam, ta-ta-la-ta-la-ta-ta-ta. Alors, juste ça. C'est le même arbre, ils ressemblent trop. Est-ce que je t'indique quels sont les éléments de l'habitat naturel de l'animal ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, là, j'ai mis... là, regarde, en fait, là, je suis en train de juste poser, puis après, on va regarder qu'est-ce qu'il lui faut de plus et tout. Mais oui, oui, bien sûr, ouais, bien sûr, il peut te dire quels sont les habitats, qu'est-ce qu'il doit... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, ça t'aide énormément, sinon c'est pas à toi de deviner. Hop. C'est pas à toi de deviner, ce serait tellement galère sinon. Ok.
Ok. C'est toute beauté. Et là, on fait un petit, petit allée là. Petit trou. Petit trou, regarde, petit terrain. Petit terrain, petit creuset là. Intensité un peu plus. Est-ce que ça lui va? Plus d'herbes courtes, mais dans l'idée, on est pas mal. Ok. Du coup, c'était... Non, c'était pas là du tout. C'était herbes courtes. Herbes courtes. Là, courtes. Herbes courtes, mais du coup, plutôt terre sur le fond de la rivière. Du vert sur le fond de la rivière, c'est rare quand même. C'est un peu plus rare. Et on peut me donner un petit côté roche, roche grossière. Voilà. Hop, voilà. Et ben voilà, c'est pas mal. Aménagement de l'enclos là, il lui manque juste des petites optimisations et voilà l'enclos du, voilà notre deuxième enclos. Hop, juste là, j'ai peur qu'il s'en aille. Ah, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il s'en aille là. Qu'il saute là. Je vérifie qu'il peut aller partout. Ouais, alors c'est H, c'est ça? H, habitat. Alors, il peut quand même aller là. Il peut aller relativement partout. Pas partout parce qu'ici il y a de la roche. Donc tant mieux qu'il puisse pas aller là puisque ça crée une sorte de frontière naturelle pour pas qu'il saute. Ici par exemple, de là à là. Mais sinon, il peut aller relativement partout. Ça, on va juste modifier la clôture ici. Voilà. On est pas mal. Bah écoutez, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je suis assez content du résultat. On l'a fait en assez rapide en plus. Donc c'est très très bien, bravo. Bravo à nous. Qu'est-ce qu'il lui faudrait comme optimisation à notre petit lynx là? Je pense un... Faut qu'on fasse des recherches. Hop, zo, recherche sur notre animal. Déjà, je pense que de la viande, ça me semble évident. De la viande, ça me semble évident. Bobine de tambour. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faudrait? Mangeoire rouleau fixe. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok, je pense que du carton, à mon avis, ça doit lui plaire. Papier cadeau, carton, là. Et panneau latéral de couchage. Utilisation 22%. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Il faudrait un mangeoir, quoi. Une balle. Est-ce qu'elle est où la balle, balle pour chien? Balle pour chien, je pense pas. Un carton peut-être? Carton, c'est pas mal. Carton, c'est pas mal. Y a pas besoin d'autre chose? Zone terrestre empruntable 538 sur 615. Ah. Il faudrait un truc un tout petit peu plus grand. Un tout petit peu plus grand.
Hop, tac. Et là, on peut mettre déjà des petits panneaux. Petit panneau, là. On va lui faire un truc un tout petit peu plus grand. On va essayer d'agrandir un peu. Hop. Lynx boréal. Lynx boréal. Hop. Hop. Note d'environnement. On peut faire une note d'environnement pour ce genre de choses? Ah, je savais même pas. Ça grimpe pas, ça ne grimpe pas un lynx? Ça ne grimpe pas trop apparemment. Ça peut escalader quand même, mine de rien. Je vais agrandir un tout petit peu l'enclos par là-bas. Juste que je prenne un autre. Bon, je vais l'étendre un peu par là. Ça, les gens qui viennent sur le côté peuvent vraiment le... Ça épousera mieux la forme du truc. Hop. Hop, tac. Herbe plus courte. Hop là. Un soyeur ne peut pas atteindre. Le mécanicien ne peut pas atteindre. Et pourquoi il peut pas l'atteindre? Pourquoi je peux pas l'atteindre, il pense. Merci beaucoup pour le deuxième abonnement, merci beaucoup 44 Licton, merci beaucoup. Je demande à Tunisie. Bah oui, il faut un petit peu une bonne. Faut un bon petit setup, ouais. Quand même. Hop. Hop, tac. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de zone, c'est vrai. Vous avez raison. Parce que je l'ai pas rajouté dans la zone de travail. Hop, zoo. Hop, personnel. Zone de travail. Modifier la zone de travail. Hop. Ok, c'est bon. Oh, merde. 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 Merde, j'avais pas vu. Oh là là, terrible. Non, terrible joueur. Le joueur est terrible. Oh non, elle s'est cassée direct quand elle a eu l'occasion. Non, terrible choix du joueur français. Oh non, horrible. Oh non, il faut la récupérer, il faut la récupérer vite. C'est bon, c'est bon. On a fait un petit saut par-dessus la clôture, ça dégoûte quoi. Pourquoi elle l'a pas fait là du tout? Un peu pas trop là. On va faire un petit pont, un truc au-dessus de la rivière. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut aller dans construction, par exemple? On pourrait aller dans... Ça devrait lui aller. Même clôture de ton extension en clôture. Ah mais c'est pas la même clôture, mais non. Ah zut, my bad. Alors modifier la clôture. Moi j'avais pris quoi? Niveau de verre résistant. Ça c'était ça. Ah je me suis trompé de clôture du coup. C'était une... Ok c'est bon. Trésor ribasse 4000, mais bon. J'ai mis un petit pont, on va du coup décaler ça plutôt ici. Ça on va le mettre un peu plus sur le côté, comme ça lui montre un peu plus la voie.
Et ça, on va le déplacer. Parce qu'elle est devant le... Voilà, c'est bon. Est-ce qu'elle essaie de se rebarrer? Non, elle essaie de se casser encore. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est sympa, dis donc. On a essayé de la mettre bleu doux et tout, mais... Attendez, je mets sur pause. Ouh, je mets sur pause. Je mets sur pause parce que j'ai un doute. Habitat. Elle peut monter partout. Elle peut monter nulle part. Elle peut monter nulle part. Elle peut pas s'en s'évader. Ok, bon. Bien-être à 81%. Il reste une vitre en verre simple, mais non. C'est bon, laquelle? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah si, non, non, c'est bon. C'est le reflet qui t'a fait dire ça. Merci beaucoup, Matby, merci pour le Prime. Le troisième mois d'abonnement. Bon, messieurs, dames! Écoutez, messieurs, dames, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première session Planète Zoo? En vrai, on a bien avancé, je le rappelle. On a donc deux enclos. Un enclos de loup, ici, vous voyez, juste ici. Trop mignon. Avec Rivenzy Junior, juste là. Très stylé. Oh, regardez, il dort. Et donc, notre nouvel enclos avec notre lynx, on prendra sûrement un deuxième lynx bientôt, pour la prochaine session, pour bien justement qu'il puisse avoir des petits lynx également. Il reste une vie normale sous le pont parlant de l'entrée de l'enclos. Ah, celle-là. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, c'est bon. Problème réglé. Un coup comme stream parfait en télétravail à mettre sur l'écran secondaire. Ouais, parce qu'il se passe pas grand chose, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, Frick, c'est ça que je... C'est ça, Inward, c'est ça que j'entends? C'est ça que je crois comprendre? Bravo, bravo! Bon, messieurs, dames, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Bon, écoutez, je pense qu'il est de bonne guerre de... Je pense qu'il est de bonne guerre d'aller raid le copain Domingo, je crois, de toute manière, pour cette fin de stream. Pour lui dire que... qu'il est coupable. Et que je suis coupable d'avoir... on peut lui dire que c'est moi le coupable. Je veux dire, Rivenzy est coupable. C'est moi qui ai effectivement saboté son ordinateur. Même s'il a été un petit calomniateur à un moment donné. Ça peut être le mot, ça peut être le code. Rivenzy, coupable. Rivenzy est coupable. Voilà, ce sera le petit nom du... le nom du raid. 30 minutes seulement, pas ouf, bref. Là, 30 minutes, c'est pas ouf, quoi, j'avoue. Sorry. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi là. C'était trop bien. Je suis trop content qu'on ait rejoué à Planet Zoo. Ça faisait tellement longtemps. C'était hyper agréable. Merci à vous d'avoir, merci à vous de l'avoir suivi. C'était vraiment trop bien. Donc, on se retrouve demain. Non, demain. On est vendredi aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. Demain, je vous tiens au courant puisque j'ai peut-être un projet secret. Du coup, ce qui fait que je ne sais pas encore si on live demain au final. Puisqu'on a un petit projet secret, donc je peux pas trop vous tenir. Je sais pas si on le fait demain ou si c'est l'après-midi, si c'est demain matin ou demain après-midi. Donc voilà, je vous tiens très rapidement au courant, évidemment. Et puis normalement, demain, vous devriez avoir un petit... enfin bon, je vous dis pas tout, je vous dis pas tout. Bon allez, des gros bisous tout le monde. Rendez-vous demain. Merci à vous d'avoir suivi. On va voir Red, le copain Domingo. Hop, je vous envoie chez le copain Domingo, n'hésitez pas à lui faire un gros bisou de ma part, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente fin de journée, et puis j'espère à demain matin. Sinon, on se rattrapera, ne vous en faites pas. Tenez-vous au courant sur Instagram et sur Twitter. Et d'ailleurs, avant de se quitter, sachez aussi qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo sur le YouTube, donc n'hésitez pas, hein? Si, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, Rivenzy. Donc n'hésitez pas, ça jarbonne dur là sur le YouTube en ce moment, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, sachez qu'on a, c'est une vidéo qui s'appelle « On a encore arrêté Xavier Dupont de Ligonnès ». Ouais, voilà, voilà. Et sa photo est sur la... Sa photo est juste sur la miniature. Donc voilà, faites attention, ça pourrait arriver à tout moment. Allez, je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde, à demain, merci pour votre soutien évidemment, merci à ceux qui ont pris le temps de sub, merci aussi à la modération, des gros bisous à la modération. Si des fois ils abusent un petit peu, on leur reconnaît un certain talent malgré tout. Allez, des bisous tout le monde et j'espère à demain. Je vous tiens au courant.